Même avis. Monsieur Aubert. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne suis pas convaincu par l'argument du rapporteur. Lorsqu'on a créé, lorsque vous avez créé la conférence sur la transition écologique, vous avez bel et bien inclus des députés et des sénateurs dans cette conférence, alors qu'elle est habilitée à examiner les textes de loi et les propositions diverses qui ensuite seront amenées devant cet hémicycle. En d'autres termes, ce que Madame Royal a fait, on se demande pourquoi on ne pourrait pas le faire dans le domaine du droit du travail. J'ajoute ensuite que quand on connaît l'urgence et l'impatience de nos concitoyens sur ces sujets, c'est un petit peu désespérant s'ils regardent ces images, de voir qu'on leur explique que le Parlement est en réalité incapable de discuter directement de la réforme du Code du travail et qu'il faut une nouvelle fois passer par une commission. Quand on veut enterrer un dossier, on plante une commission, ou quand on veut planter un dossier, on en crée une. Mais je crois véritablement que tout ceci, c'est de l'enfumage et qu'il vaudrait mieux directement passer au fond du sujet, qui est qu'effectivement, il faut libérer les forces de travail. Dans